Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo routine 10 minutes parce que je sais que le matin, ce n'est pas toujours évident de trouver le temps, que le corps est bien rigide le matin. Donc je voulais te proposer une séance, une routine facile qui va mobiliser toutes les articulations et te préparer, énergiser le corps pour ta journée. On est parti ? On va commencer sur le dos. Viens t'allonger, le temps de faire une profonde inspiration. Viens mettre les mains sur ton ventre, détendre ton visage, ta mâchoire. Inspire profondément en gonflant le ventre, sans les mains se soulever. Expire par la bouche tout l'air. Encore une fois, inspire par le nez. Gonfle ta poitrine, ton ventre, retiens ton souffle et expire par la bouche quand tu n'en peux plus. Viens mettre ta jambe droite pliée au niveau de ton ventre, tu attrapes le genou, la jambe gauche reste tendue. Et viens simplement presser cette cuisse vers ton ventre, étirer dans la hanche, dans la fesse. Crée une pression au niveau de ton système digestif et tu vas aller un petit peu vers la droite, vers la gauche au niveau de ta pression pour petit à petit mobiliser cette articulation. Relâche au niveau de ta tête, bien lourde sur le sol. Connecte avec ton souffle et puis petit à petit, tu sens que tu peux créer un tout petit peu plus de pression dans la hanche. Profondément inspire, expire, tend la jambe et viens, hop, crée une pression avec l'autre jambe gauche sur le ventre. Et pareil, les fesses bien dans le sol, crée cette pression. Et puis viens faire des va-et-vient vers la droite, vers la gauche, tout petit, tout léger, simplement petite rotation pour sentir les mouvements au niveau de l'articulation. Et tu vas te rendre compte que peut-être tu as une facilité à aller plus proche au niveau de ton ventre, plus proche ton genou au niveau de l'aisselle. Et viens ramener cette fois-ci les deux genoux vers toi pour faire un massage. Hop. Du dos, crée cette pression de nouveau des cuisses vers ton ventre. Ça va stimuler un peu, créer une pression au niveau du système digestif, l'activer et masser le dos. Donc tu balances un peu le corps à droite, à gauche, tu fais des cercles, bas du dos sur le sol. Inspire par le nez. Et on va expirer par la bouche en essayant de mettre le front sur les genoux. Former une boule, les épaules restent descendues, tu vas étirer comme ça le haut du corps, menton vers la poitrine, relâche la tête, inspire par le nez, on va refaire pareil. Expire par la bouche en faisant une boule. Sens l'étirement au niveau du haut du dos, de ta nuque. Et relâche la tête encore une fois, inspire. Expire, front, genou. Et doucement, relâche les pieds sur le sol. Viens te soulever pour venir en position du papillon. Les plantes des pieds l'une contre l'autre. Laisse les genoux descendre vers le sol. Tes épaules se détendre, ton dos s'allonger. Tu peux venir ici fermer les yeux quelques instants, le temps de venir t'assouplir au niveau des hanches. Et viens faire quelques cercles. Vers la droite, vers la gauche, tu vas sentir que ça va peut-être craquer. Étirer le bas du dos. Assouplir l'intérieur des jambes. Si tu as besoin d'étirer la nuque, n'hésite pas à mettre
le front, le menton à la poitrine, tu vas sentir directement la nuque s'étirer. Vers la droite, vers la gauche. Et relâche, reviens au centre, mets les pieds bien à plat sur ton tapis pour venir dérouler en flexion avant. Reste dans ta flexion avant, genou plié. Le ventre essaie de se déposer sur les cuisses, sinon, non. Simplement accroche les coudes et viens balancer un peu à droite, à gauche. Inversion, le sang va revenir vers la tête. Pour réoxygéner, donc on va faire une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche tout l'air. On détoxifie en même temps le corps, on élimine les déchets de la nuit. Inspire par le nez encore une fois. Expire par la bouche tout l'air. Laisse le haut du corps se détendre, se relâcher, aller vers le sol, étirer le bas du dos, l'arrière des jambes un tout petit peu, les hanches. Et puis tout doucement, vertèbre par vertèbre, tu vas te remonter. La tête en dernier, les épaules bien basses, viens aligner tout ton corps, garde les yeux fermés, les pieds bien à plat sur le sol, ressens simplement le sang revenir vers le cœur, trouver ton équilibre, peut-être tu vacilles un tout petit peu. Ça montre que le sang était bien au niveau du cerveau, réoxygéné pour avoir une bonne mémoire, une bonne attention pour ta journée. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux et on va étirer hop, le côté du corps. Donc la jambe droite va passer et croiser derrière la jambe gauche. Viens saisir ton poignet droit avec ta main gauche et on étire en formant un croissant. Tu vas sentir l'étirement de tout ton côté droit. Des muscles intercostaux pour pouvoir stretcher toute ta cage thoracique, gagner en amplitude pulmonaire, libérer toutes ces tensions, des fois de stress qu'on a, qu'on accumule au niveau de la poitrine, du plexus. On travaille en même temps ces deux chakras, le chakra du cœur, le chakra du plexus, pour les étirer, on va dire étirer. Les tissus qui sont logés là, qui sont souvent tendus, où il manque un petit peu de flexibilité. Inspire, gonfle bien ta poitrine, poitrine vers le ciel. Et expire, relâche les mains et change le croisement. Jambe gauche cette fois-ci passe derrière. Saisis ton poignet, étire et fais, forme un bon croissant. Les fesses partent bien vers la gauche cette fois-ci. Tu peux reposer ta tête sur ton bras si tu veux. Pour ne pas créer de tension, la poitrine regarde légèrement vers le ciel et étire tout ton côté gauche. Fais une profonde inspiration. Sens que ton amplitude de ta cage thoracique augmente. Et expire, relâche et tu vas venir simplement relâcher vers le bas. Essaie de garder les jambes tendues cette fois-ci pour étirer tout l'arrière des jambes. Les bras partent vers le sol, le menton à la poitrine arrondit tout le haut du dos. Et tu vas sentir tous les fascias de l'arrière du corps s'étirer. Peut-être le bout des doigts va frôler le sol ou pas. Laisse les bras un peu plus lourds aller vers le sol. Garde le menton à la poitrine. Et tout doucement, remonte vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, étire les bras vers le ciel. Et expire, viens mettre les bras au niveau de ta taille, en position d'ouverture de tes épaules. Les épaules en arrière, garde la poitrine bien ouverte. Reste quelques instants ici en forçant un peu cette ouverture. Tu vas sentir que ça tire là, on ouvre le cœur, on assouplit le dos. Et on étire en même temps l'avant du psoas, inspire et expire, reviens droite, les pieds bien à plat, garde la poitrine ouverte en posture de super héros, super woman, superman. Et tu vas venir faire ton intention dans la journée, pour la journée, en répétant je suis. Donc je suis tout ce que tu veux, je suis forte. Je suis confiante ou je suis détendue ou je suis motivée ou je suis déterminée. Choisis quelque chose qui te vient à l'esprit ou que tu as besoin de programmer pour ta journée et tu vas le répéter trois fois dans ta tête. Tu
Tu peux ouvrir les yeux, regarder devant toi avec force, ancrage. Je suis. Je suis. Je suis. Inspire profondément. Expire. Voilà. Bravo à toi d'avoir fait ce cours de 10 minutes. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker ou à t'abonner à ma chaîne si c'est la première fois que tu découvres mon compte. Et n'hésite pas non plus à venir visiter ma page Instagram. J'ai beaucoup d'astuces de yoga, de petites vidéos yoga en autonomie si tu as besoin de découvrir, d'en savoir un tout petit peu plus sur le yoga. Si tu es quelqu'un qui est un peu plus advanced, j'ai juste avant une routine de yoga un petit peu plus dynamique de 30 minutes. N'hésite pas aussi à la découvrir si pour toi le yoga c'est easy. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt.